Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, auto-actu, hors série, on va parler de l'histoire de l'Alfa Romeo Giulia. Alors avant de vous parler de l'Alfa Romeo Giulia, on va vite fait parler d'Alfa Romeo. Alors Alfa Romeo, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise, un constructeur automobile qui a été créé en 1910 à l'AC Milan. Qu'est-ce que ça veut dire Alfa Romeo ? Alors Alfa, c'est un acronyme, ça veut dire Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Donc au début ça s'appelait juste Alfa, puis en 1918 ça a été racheté par Nicola Romeo et donc il a gardé l'acronyme Alfa et puis il a rajouté son nom de famille Romeo parce que ça appartenait à lui, voilà, tout simplement, le mec il baise. Alors maintenant qu'on a rapidement parlé d'Alfa Romeo, on va parler de la Giulia, l'histoire de cette voiture. Alors pourquoi j'ai choisi de parler d'elle en premier? Tout simplement parce que ma toute première vidéo, mon tout premier auto-actu était sur l'Alfa Romeo Giulia GTA et GTA M, deux versions ultra sportives, ultra compétitives de l'Alfa Romeo Giulia que l'on connaît actuellement. Mais il faut savoir que cette voiture est pas nouvelle depuis 2016. La toute première a été créée en 1962 et donc on va en revenir dans cet épisode. Donc la Giulia de chez Alfa Romeo est une berline sportive qui a été produite de 1962 à 1977 dans un premier temps. Alfa Romeo fut le premier constructeur automobile à mettre un moteur puissant dans une voiture de production courante. La Giulia pesait environ 1000 kg et était équipée d'un moteur 1,6 litre de 75 kW, soit un peu plus de 100 chevaux. La très grande qualité de cette automobile était démontrée dans un magazine paru en 1965. Pas trop ruoté, putain, c'est dur à dire, les noms italiens. Lors d'un essai complet de l'Alfa Romeo Giulia comparé à 12 modèles concurrents de même catégorie, la Giulia est sortie en tête grâce à sa vitesse maximale sur route de 177,154 km/h, c'est très précis. Alors que toutes les autres voitures se situaient entre 132 et 165 km/h, ce qui fut amplement mérité pour la firme italienne. Donc la toute première a été dévoilée à l'autodrome de Monza le 27 juin 1962 dans une version appelée TI, donc avec une cylindrée de 1570 cm3, donc d'où le nom 1,6 litre, développant 67 kW, soit 92 chevaux. Donc ça, c'est pour la toute première version qui est sortie. La version dont je parlais juste avant, qui développait un peu plus de 100 chevaux, en fait, c'est une version encore plus sportive qui est sortie un petit peu plus tard, et c'est celle que l'on retient le plus. Je crois qu'elle est sortie en 1964 ou 1965. C'est celle qu'on retient le plus, parce que vous allez le voir après, c'est celle qui a gagné le plus de championnats. Donc en 1963, ensuite, la version TI Super fait son apparition, donc une modèle encore plus poussée de la version TI que l'on connaissait à l'époque. Donc c'est une version allégée avec des éléments en aluminium un petit peu partout, comme sur les portières, le capot, des éléments en aluminium un petit peu partout, histoire de l'alléger, mais aussi plus puissante, avec un moteur qui développait 112 chevaux. Elle remporta le championnat d'Allemagne des voitures de tourisme en 1963 dans la catégorie donc des 1,6 litres. Forcément, son moteur c'est 1,6 litres, ça va pas concourir avec les voitures de catégorie 2,3 litres par exemple. Je sais pas si ça existait à l'époque, mais c'est un exemple. D'autres versions encore plus hardcore voient le jour après ces succès, mais ce serait beaucoup trop long de parler de parler et puis de détailler toutes les versions qui sont sorties. Sachez juste que la version la plus hardcore, la plus puissante, a été préparée à l'usine et développée 170 chevaux, ce qui était juste énorme pour l'époque. Et si je ne me trompe pas, ça vous allez me le dire dans les commentaires, mais si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'Alfa Romeo Giulia TZ2. En 1964, Alfa Romeo décida de sortir une version plus entrée de gamme pour la Giulia. Ils ont sorti une version 1,3 litre, donc un moteur de 1290 cm3, développant 78 chevaux et une boîte de vitesse à 4 rapports. Différencier la version donc 1,3 litre 1300 de la version 1,6 litre 1600, simplement que la version 1,3 litre n'a que 2 phares à l'avant, tandis que la version 1,6 litre en a 4. Donc je vous mets les images ici. Vous avez d'un côté donc l'Alfa Romeo Giulia 1300
qui est ici, et l'Alfa Romeo Giulia 1600 qui est ici. Évidemment, Alfa Romeo ne pouvait pas s'arrêter là, il ne pouvait pas juste présenter une version entrée de gamme et point, non. En 1965, soit un an plus tard, une version TI vient faire son apparition pour la 1300. Donc, comme la version 1600, une version un petit peu plus poussée avec un moteur qui développait 82 chevaux et une boîte de vitesse 5 rapports avec un servo-frein. En 1970, apparaît la version Super avec un moteur de 89 chevaux, une boîte de vitesse 5 rapports et en même temps, ils ont supprimé les modèles entrée de gamme des deux Alfa Romeo Giulia. Donc, les versions 82 chevaux et les versions 92 chevaux ont été supprimées. Ensuite, on va parler de la deuxième série de production, donc de 1972 à 1977. Donc en 1972, Alfa Romeo a fait un très léger restylage. Ils en ont profité pour simplifier la gamme, passant de 2 modèles contre 6 auparavant. Les modifications qui ont été faites pour le restylage ne concernent que la calandre avant, où on a maintenant une calandre qui est noire avec des petites parties, des petites barres chromées. Un très léger restylage à l'intérieur aussi. En 1974, Alfa Romeo fait un restylage encore plus important et en profite pour changer le nom, en l'appelant maintenant Alfa Romeo Giulia Nuova Super. Voilà, encore un nom encore plus à rallonge, toujours plus. Cette fois-ci, la face avant a été principalement modifiée avec une calandre tout en noir. Ils en ont aussi profité pour changer le logo Alfa Romeo, pour le redesigner et puis le redessiner et ils l'ont mis. Les éléments carrosserie sont parfaitement lisses maintenant, donc on n'a plus de barres chromées comme on avait avant, comme on pouvait avoir sur le pare-choc arrière, sur le pare-choc avant. C'est fini tout ça, tout est lisse. Les feux arrière ont été redessinés et l'équipement intérieur est plus garni, on va dire. La gamme reste composée des versions 1.3 litre de 89 chevaux et des versions 1.6 litre de 102 chevaux. Et elle est, je cite, la berline 1300 la plus rapide du marché, l'accélération sur 1 km la meilleure de toutes les berlines 1300 au monde. Donc 1300, 1.3 litre. Malheureusement, tout succès vient son échec, j'ai envie de dire, puisqu'en 1976, Alfa Romeo succombe au diesel et sort une version diesel de l'Alfa Romeo Giulia appelée Nuova Super Diesel. Avec un 4 cylindres de 1760 cm3, ce moteur il fut une catastrophe, tout simplement parce qu'il ne développait que 55 chevaux, la vitesse max était de 135 km/h, et surtout il était bruyant, il n'était pas souple du tout. Et malheureusement, Alfa Romeo a fait la plus grosse bêtise en fait, c'est de vouloir mettre un moteur diesel sur une voiture qui se dit sportive, une voiture à la vocation sportive. Ils ont voulu mettre un moteur diesel et c'est dommage parce que ça a été une catastrophe puisque seulement 6500 exemplaires ont été produites. Alors là, au cours des années suivantes, Alfa Romeo développa plusieurs modèles dérivés de la Giulia, donc la Giulia GT, la Giulia GTA, la Giulia GT Junior, la Duetto Spider, la Montréal, la 1750, la 2000 et la Grand Sport Quattro Ruote. Voilà, c'est les versions qu'ils ont développées au fur et à mesure du temps, au cours des années, donc qui ont suivi le succès. Je pense qu'ils ont essayé de se racheter quand ils ont vu que la version diesel a fait un énorme bide. Mais voilà, donc ils ont sorti ces modèles-là. Mais ensuite, c'est en 2015 qu'Alfa Romeo revient et présente à son usine à Larese la nouvelle Giulia dans sa version Quadrifoglio Verde, donc la version QV. Et ensuite, le reste fut présenté au salon d'automobile de Genève en 2016. Et cette voiture fut sortie en 2016, alors je crois que c'est fin 2016 si je ne me trompe pas. Donc avec de toutes nouvelles lignes, un tout nouveau moteur, quelque chose de totalement différent, totalement nouveau, puisqu'en même temps on passe d'une voiture des années 1960-1970 à une voiture des années 2010, pratiquement 2020. Forcément il y a du changement. Et aussi, une version encore plus sportive va sortir en 2020, donc la version GTA et GTA M compétition, comme je le disais
plutôt dans la vidéo. Je ne vais pas en parler plus en détail, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc je vous invite à aller la voir, elle est ici. C'est une vidéo qui me tient quand même assez à cœur, puisque c'est c'est le tout premier auto-actu que j'ai sorti. C'était en mars, si je ne me trompe pas, c'était au tout début du confinement. Donc n'hésitez pas à aller la voir, et puis ben, je vous mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ce format vous plaît aussi, que des fois je fasse des hors-séries sur certaines, pour parler de certaines marques, de certains modèles plus en détail. Je pourrais refaire pareil, je sais pas, par exemple pour la... Bah pour les motos, je pourrais faire pareil pour la Ducati Street Fighter, pour la Triumph Street Triple, je pourrais faire pareil. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Skyron23. De toute façon, vous l'avez à la fin dans l'écran de fin. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Skyron23, je vous le mets ici. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!